essayer de relancer notre 36e tournoi du Mont Blanc, si on peut dire. Et on a voulu que ce soit un peu un événement pour inviter beaucoup d'équipes étrangères. Et donc on a eu trois nations, des Espagnols, des Italiens et des Suisses qui sont venus compléter nos équipes françaises et locales. Et on a voulu faire les choses bien puisqu'on a demandé à un professionnel Iceman suisse de Genève de venir nous préparer la glace pour qu'il y en ait une meilleure glace possible, pour que ça se passe dans des conditions optimales. Puis on a voulu mettre un petit peu d'ambiance comme d'habitude lors des soirées. Et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de sympathique et de convivial et aussi de performant au niveau de la compétition. Ancora sulla gialla. Lasciala venire. È un problema. È rimasta sulla gialla. Premièrement, on est super surpris par la qualité de la glace et de l'organisation à Saint-Gerre. Cette année, c'était super glace. Puis là, on a gagné, on avait une équipe un peu mixte, faite brick et broc, parce qu'on a des gens des Contamines, deux de Contamines, un de Neuchâtel, un de Chamonix, puis ça s'est super bien passé. Et le dernier match, ça s'est déroulé comment alors? Il était très compliqué, parce que Torino s'est avéré un adversaire très coriace. Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Il a penché d'une autre, tant mieux.